Bonjour, quatrième Comic Sitter Showcase pour le mois d'août. Nous sommes deux aujourd'hui pour vous le présenter. Et moi, je vais vous parler essentiellement VO, en commençant par Batman Director's Cut numéro 1, qui reprend en fait le premier chapitre du nouvel arc de Scott Snyder et Greg Capullo, qui est Zero Year. Donc, quel est l'intérêt de ce titre ? C'est assez nouveau en fait, on en a plusieurs. On a aussi Superman Unchained numéro 1, et qui est sorti ou qui sort la semaine prochaine, Justice League Trinity War chapitre 1. En édition Director's Cut, c'est en fait une édition qui reprend les planches originales du dessinateur, donc en l'occurrence ici Greg Capullo, sans l'ancrage ni les couleurs. L'intérêt, si vous n'aimez pas à la base Greg Capullo, ça sert à rien. C'est surtout pour pouvoir comparer un peu le travail qui a été fait ensuite, puisque parfois on dit j'aime bien tel ou tel dessinateur, mais on ne se rend pas bien compte puisque derrière il y a quand même eu un travail d'ancrage et de couleurs. Ici, ça vous permet de voir le travail à l'état pur de l'artiste. Et il faut dire que du Greg Capullo, c'est quand même assez joli. Donc voilà, ça coûte 5,99$. Donc ça dépend où vous le prenez. Avec la conversion française, on se retrouve toujours à 6€ hein, en principe à peu près. Ensuite, on a de la pub. Hein, donc petite preview de American Vampire. Et ensuite, le script de Scott Snyder. Toute la réflexion qui a été faite sur le titre, pour voir un peu ben, les différences, et puis ça donne un peu quelques spoilers aussi sur la suite. Donc c'est très intéressant, si vous aimez Batman, si vous aimez Scott Snyder et Greg Capullo, c'est Zero Year chapitre 1 en version Director's Cut, avec une couverture en semi-dur, donc ça donne un effet un peu plus classe et un peu plus solide surtout que la plupart des comics en VO. Donc voilà, second numéro, toujours en couverture semi-dur, semi-souple, Justice League, premier chapitre de Trinity War, donc le numéro 22, toujours scénarisé par Geoff Jones et dessiné par Ivan Reis, qui fait également la couverture. Donc premier chapitre de cet event, c'est pas vraiment un crossover, parce que le premier crossover sera Forever Evil, et on rentre dans le vif du sujet avec un affrontement de super-héros, en l'occurrence la Justice League et la Justice League of America, qui avait été créée, je vous le rappelle, pour les contrer. Donc on nous explique comment est-ce qu'on en arrive à cet affrontement. Voilà, on a des belles doubles pages avec les deux camps. Et en fait, c'est Shazam qui se retrouve au milieu de tout ça et qui va déclencher en allant dans un pays style Iran, Irak, avec une politique extérieure assez dure. Donc, et Superman qui va péter un plomb, littéralement, ce qui va amener cette Trinity War. Donc, beaucoup d'action, les dialogues sont pas mal, ça vole pas très très haut, mais bon. Et puis un peu de mystère, puisqu'on se demande, il y a des forces un peu obscures derrière ça, il y a de la mythologie, Pandora, etc. Donc c'est le début de Trinity War, il y a 6 chapitres, répartis sur juillet-août, ça c'est le tout premier. Les couvertures forment un triptyque, en fait, en juillet et un triptyque en août, donc là c'est la première, on voit qu'il se passe quelque chose à côté, et un autre. Donc ça c'est très bien, c'est Justice League, c'est le premier event, gros event en tout cas, New 52. Et je vous le recommande, ça vaut également 3,99$, donc un peu moins cher, et donc 4€ chez nous. Et voilà, c'est à trouver. Alors on trouve pas tous les numéros en boutique, par exemple Justice League Dark était écoulé, mais ça va je pense revenir, donc c'est à surveiller si vous aimez bien ces 6 numéros à acheter, et vous avez l'intégralité. Dernier comics VO, Batman Inc. numéro 13, le tout dernier, de Grant Morrison, donc c'est la fin de son run, avec au dessin Chris Burnham. C'est la fin de cet arc, vous vous souvenez, si vous avez lu le Batman saga hors série numéro 2, on commence là-dessus, avec Bruce Wayne qui se fait arrêter par la police. Ben, on y retourne dans le tout dernier chapitre, et on a Bruce Wayne interrogé par la police concernant je ne sais quoi sur Batman, je ne vais pas vous spoiler. Et puis on a bien sûr l'affrontement final entre Talia et Bruce, un affrontement qui aura duré 13 numéros au final, et qui se finit de manière tragique, vous verrez. Et bien sûr à la fin, puisque c'est un peu à la manière des séries où ça ne finit jamais, Grant Morrison nous donne ceci. Donc Ra's al Ghul qui revient sur le devant de la scène et qu'on peut s'attendre à revoir d'ici quelques temps dans un titre, peut-être pas forcément de Grant Morrison, mais de quelqu'un. Donc au final, un Batman Inc. indispensable, très beau au niveau des dessins. C'est pas forcément ce que j'aime bien pourtant Chris Burnham, mais avec les couleurs, l'ancrage, le découpage, ça passe très bien. Et puis surtout, bah, la narration de Grant Morrison, qui est vraiment un peu le mieux qu'on puisse faire avec Scott Snyder actuellement
en matière de comics. Donc voilà, ça c'est Batman Inc. numéro 13. 2,99$, c'est encore moins cher celui-là. Et c'est un indispensable à avoir, ou alors attendre en VF, puisqu'on les aura dans Batman Saga hors série, avec je pense 3 numéros, puisqu'on en a 4 à chaque fois. Donc voilà. Je laisse la parole à mon camarade David pour la suite. Alors, bonjour à tous. On va commencer avec un titre paru chez Panini Comics. Spider-Man, un grand pouvoir. Alors, on va commencer par saluer Panini. C'est rare, alors on en profite. Panini qui, pour une fois, vous pouvez le remarquer, nous fait une couverture sans sticker, sans gribouillage, sans bandeau. C'est magnifique. Et aussi, saluer Panini pour le prix, puisque ce numéro vaut 5,90€. Alors, il faut savoir que Panini Comics a décidé de rééditer ses 100% Marvel dans cette collection, Marvel best-seller, qu'on a pu découvrir cette année, avec en mars, je crois, le premier numéro consacré à Wolverine et au Punisher. On avait eu droit ensuite, 2 mois plus tard, à un numéro consacré aux Vengeurs. On a Spider-Man qui est arrivé cet été, en juillet. Donc c'est un bon rapport qualité-prix, puisqu'il coûte 5,90€, sachant qu'un 100% Marvel, au début, quand j'ai commencé à lire les comics il y a 3 ans, c'était aux alentours de 10€, maintenant c'est 13€. Alors on est plutôt content de retrouver une série avec des titres à moitié prix, on peut le dire. Alors, c'est David Lafamme et Tom Harris qui s'y collent pour ce numéro de Spider-Man. Je vous montre quelques images. Il faut savoir que c'est un numéro qui date de 2008, donc voilà, qui est à 5 ans, qui était paru en 100% Marvel. D'ailleurs, si vous parcourez les Fnac ou les magasins de comics, vous le retrouvez toujours en 100% Marvel. Un numéro qui nous parle des origines du Tisseur. Alors, c'est un peu la énième fois qu'on nous parle des origines de Spider-Man. Malgré tout, c'est assez intéressant puisque ça se situe à une période charnière. On peut voir, là notamment, c'est au moment où Spider-Man devient une star du catch, comme on a pu le voir notamment immortalisé au cinéma par Sam Raimi dans le premier Spider-Man de 2002. Alors, on découvre Spider-Man qui donc devient une star du catch, mais qui a du mal un petit peu à gérer cette nouvelle célébrité. Ça se passe avant la mort de l'oncle Ben, donc l'oncle Ben est très présent dans ce numéro, et qui nous parle un petit peu de la difficulté de Spider-Man de gérer sa nouvelle célébrité, des attaques qu'il va subir. Il va rencontrer d'ailleurs une jolie demoiselle, qu'on peut apercevoir ici, qui est plus âgée que lui, on peut dire que c'est un peu une cougar pour l'époque, et dont Spider-Man va un petit peu tomber amoureux, on va dire, avant de rencontrer Gwen Stacy, et donc qui va être un peu son mentor et qui va le guider dans toutes ses aventures. Et on va le retrouver à la fin, donc c'est assez sympa, les Fantastic Four qui sont là. Donc Spider-Man qui les idolâtre, puisque c'est un peu les seuls super-héros de l'époque, avec le Captain America. Et à la fin, donc un dilemme de Spider-Man qui doit ou non sauver Jonah Jameson, le fameux patron du Daily Bugle, qui, dans ce numéro, s'attaque une fois de plus à notre tisseur. Et donc voilà, je ne vais pas vous spoiler la fin, vous lirez par vous-même. Alors c'est plutôt sympa, j'avoue qu'au début, bon, je pouvais être un peu rebuté par le dessin, mais en fait c'est plutôt très bien dessiné. Le scénario est cool, alors c'est vrai que c'est un peu dommage de retourner encore une fois dans les origines de Spider-Man qu'on a vu et revu, mais malgré tout c'est un aspect qu'on n'avait pas forcément connu. Et puis une fois de plus, donc je vous dis, c'est 5,90€, c'est Marvel best-seller, donc c'est un très bon rapport qualité-prix, c'est une bonne histoire pour tous les fans de Spider-Man. A noter que le prochain numéro sortira dans quelques jours, maintenant à la mi-septembre, et sera consacré au Fantastic Four. Donc c'était un bon point aussi de voir que Panini nous offre, après Wolverine, après Spider-Man, après les Vengeurs, les Fantastic Four, j'imagine qu'après on aura X-Men, peut-être à Iron Man, à Captain America. Donc une série très sympa avec Spider-Man. Et le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est celui-ci, Batman le Chevalier Noir, chez Urban Comics. Alors pourquoi vous parlez de Batman le Chevalier Noir? Tout simplement parce que le tome 2 est sorti avant-hier, le 23 août, et donc je voulais vous le présenter également, ce tome 2 que j'ai acheté, mais que j'ai laissé dans mon armoire pour le moment. Donc quand Damien reprendra la parole, je viendrai vous le montrer. Alors, Batman le Chevalier Noir, qui est sorti en octobre 2012, il y a maintenant près d'un an, chez Urban Comics. Alors bien sûr, vous remarquez, toujours très très soigné. Alors c'est Paul Jenkins au scénario et David Finch, qu'on adore ici, David Finch au dessin, qui a donc dessiné les premiers numéros de The Dark Knight avant de se tourner vers la Justice League, et qui prépare actuellement Forever Evil, le grand crossover que vous découvrirez en VO dans quelques semaines. Alors Batman le Chevalier Noir, c'est une histoire qui nous parle évidemment donc du Chevalier Noir avec la Justice League. Déjà, c'est un point intéressant, vous pouvez voir ici Flash.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce livre? C'est tout simplement Batman qui se fait attaquer dès le début de l'histoire par son cher Harvey Dent, le double face, et qui est étonnamment courageux, qui n'hésite pas à aller combattre Batman avec assez de violence. Batman qui découvrira que, en fait, tout simplement, ses ennemis ont été touchés par une sorte de sérum qui inhibe toute peur, et du coup, ils n'ont plus peur de s'attaquer à Batman. Ils s'attaquent donc très violemment à lui. Et tout le long du début de ce tome, eh bien, Batman va essayer de découvrir pourquoi tour à tour gueule d'argile, double face, sont devenus tout d'un coup très forts et n'ont pas eu peur de s'attaquer à lui. Et parallèlement, on retrouve cette très charmante demoiselle, comme vous pouvez le voir ici, le lapin blanc, qui nous vient de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, qui va vraiment attirer Batman dans la mauvaise pente, et Batman va se laisser prendre un petit peu au jeu, vous verrez ça en le lisant. Et comme je le disais, donc la Justice League très présente, on a Flash et Superman, de nombreux méchants, et des méchants qui ne le sont plus forcément, comme je pense notamment à Poison Ivy. On a une petite apparition brève de Wonder Woman, donc c'est très sympa de pouvoir découvrir ainsi vraiment tout un univers autour de ce super-héros. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est regarder, voilà, on a un petit avant-goût de Batman versus Superman, mais alors là c'est Batman le vrai, pas Ben Affleck. Un petit avant-goût donc de Batman versus Superman, puisque Batman va être malheureusement piqué également par ce virus et va lui aussi avoir toute peur inhibée, et va décider de virer de la Terre Superman. Je vous en dis pas plus, vous lirez ça, mais ce qui est très intéressant, voilà, c'est ces planches en double page, on en a quasiment toutes les 10 ou 12 pages. C'est vraiment magnifique, c'est David Finch au sommet de son art, voilà, regardez. On a l'impression presque d'être face à un artbook à chaque fois qu'on tourne les pages, donc c'est vraiment très sympa. Donc ce numéro contient les Batman The Dark Knight 1 à 7 plus le numéro 8. Alors pourquoi plus le numéro 8? Puisque le 1 à 7 en fait constitue un arc, et cet arc terminé, on a le numéro 8. Alors au numéro 8, c'est Ed Benz qui est au dessin. Alors, c'est très bien dessiné, mais on sent vraiment que c'est le numéro de transition, un peu comme on a vu le cas avec Batman 13, c'est-à-dire que on sent vraiment un petit passage à vide, il fallait faire un numéro en attendant de faire la suite. Donc on met à peu près la moitié du numéro 8 à découvrir que c'est le Chapelier Fou, qui vient lui aussi de l'univers de Lewis Carroll, ici, qui est le méchant, et puis Batman qui va l'expédier d'un coup de poing. Désolé de vous spoiler un peu la fin, mais encore une fois, ce numéro 8 est très dispensable, mais c'est sympa, Urban Comics de nous l'avoir mis. Et à la fin, on a évidemment les bonus, les crayonnés et toutes les couvertures originales US de Batman, le Chevalier Noir. Donc c'est très sympa, ce numéro contient les donc Batman The Dark Knight 1 à 8, et le numéro 2 qui est sorti avant-hier contient Batman The Dark Knight, lui, 10 à 15. Vous allez me dire, où est passé le numéro 9? Eh bien, tout simplement, le numéro 9 était consacré à la cour des hiboux, et il est dans le Batman Saga numéro 10 qui est sorti cet hiver chez Urban Comics en mensuel à 5€. Et ce numéro qui revient sur les origines des membres fondateurs de la cour des hiboux, qui donc n'avait pas tellement sa place dans la continuité ici. C'est pour ça que pour avoir le numéro 9, il faut acheter Batman Saga numéro 10. Voilà, je laisse la place à Damien qui lui aussi va vous parler de VF. On termine donc, notant que David a cherché le tome 2 de Dark Knight, avec simplement, parce que le temps passe vite, un petit comparatif de deux éditions VF de Wolverine Evolution. Alors, j'ai pas fait exprès de l'acheter en fait à la base, si je me disais bien que ça ressemblait. Et donc la première édition, elle date d'il y a quelques temps. C'était la petite collection Marvel Les Grandes Sagas, très intéressante, proposée à un prix de 8,95€ avec un petit fascicule. En fait, à la base, il me semble que c'est le fascicule qu'on achète et ça, c'est offert. Mais le plus intéressant, c'est ça, évidemment. C'est pas le petit fascicule de 10 pages qui est à côté. Et donc, ça reprenait la totalité de l'arc Wolverine Evolution. Puis, il est ressorti, là, très récemment, dans la collection, la nouvelle collection de Panini, Marvel Dark, qui va un peu lorgner du côté d'Urban Comics, si on regarde un peu comment c'est fait. Couverture en dur, noir, la tranche très sobre, le devant aussi, et puis du papier quasiment glacé. Donc on est vraiment là dans du haut de gamme. Ça coûte 13€ cette fois, donc on compte à peu près 5€ de plus. Par contre, à l'intérieur, il faut savoir que c'est exactement la même chose. Donc si je prends par exemple, voilà, planche, on est à la page, je sais pas, 3 ou 4. Je prends l'autre, c'est la même chose. Voilà. Le format un tout petit peu plus petit, les couleurs
un peu plus vive ici, donc c'est beaucoup plus intéressant. Mais sinon, le contenu est le même. Les bonus aussi, exactement les mêmes. Je regarde la fin, alors en plus, c'est pas des gros bonus, hein, c'est juste les couvertures. Donc les différentes couvertures de l'arc, Wolverine Evolution. Donc voilà, après, c'est à vous de faire votre choix. 8,95€, c'est pour le prix. Après, pour si c'est pour vraiment pour avoir quelque chose de qualité, vous rajoutez 5€, vous avez l'édition Marvel Dark, qui est vraiment très réussie. On a Spider-Woman qui va sortir dans cette même collection, et Venom et Carnage, qui était le premier, qui est sorti il y a quelques temps. Donc voilà, sachant que Wolverine Evolution, il faut aimer le style de Simone Bianchi. Je vais vous montrer quelques pages à nouveau. Moi, j'adore. Très réaliste, très violent aussi, sombre. Donc faut aimer, mais moi j'adore, c'est vraiment un style que j'aime beaucoup, c'est une belle qualité quand même. Et puis au scénario de Jeff Loeb, alors Jeff Loeb c'est quand même un grand monsieur, donc qui sait vous mener là où il veut et créer quelque chose d'assez complexe, d'assez mystérieux, c'est-à-dire qu'on sait pas à quoi s'attendre, faut vraiment sinon connaître sur le bout des doigts l'univers de Wolverine, mais sinon on en découvre à chaque page les X-Men, parce que bien sûr quand il y a Wolverine on a aussi les X-Men, donc Cyclope, Emma Frost. Donc il y a tout ce qu'il faut pour faire vraiment, voilà, c'est pour ça que c'était dans les grandes sagas, parce que c'est une grande saga, Wolverine Evolution. Donc je vous le conseille, et c'était mon dernier mot pour ce mois-ci. On se retrouvera au mois de septembre pour un Comic Eater Showcase un peu plus classique sur les sorties, puisque là il n'y avait pas beaucoup de sorties cet été, donc on reviendra sur les nombreuses sorties qu'il va y avoir en septembre. Et je laisse le dernier mot à David. Voilà, je vous montre enfin Batman The Dark Knight numéro 2, j'aurais pu vous en parler aujourd'hui, mais pourquoi je n'en ai pas parlé plus que ça, tout simplement parce que je ne l'ai pas lu, ça fait seulement deux jours que je l'ai. Alors pour vous dire que c'est la couverture est magnifique, déjà encore plus belle je pense que celle du tome 1, vous comprendrez donc vite de par cette couverture que Batman va s'attaquer à l'épouvantail dans ce numéro. C'est toujours David Finch qui dessine, c'est toujours extrêmement beau, extrêmement bien dessiné. Il faut en profiter de David Finch sur Batman The Dark Knight, puisque il va encore faire quelques numéros après les numéros aussi 10 à 15. Et ensuite, donc, comme vous le savez, partir sur Justice League et sur Forever Evil. Donc ça est dans toutes les bonnes crèmeries, chez tous les libraires, pour le prix de 15€. Vous pouvez le trouver sur Internet ou dans certaines enseignes, même avec la remise de 5% qui vous le fait un petit peu moins de 14€. Je pense qu'il n'y a vraiment rien à dire. Encore une fois, l'histoire du tome 1 est vraiment très riche et très réussie, je vous la conseille vivement. Et j'imagine que celle du tome 2... les tout autant, voilà, on vous souhaite bon courage pour ceux qui reprennent les cours ou le travail au mois de septembre. On espère que vous avez passé un bel été et on vous dit à très bientôt.